Autrefois, cette église servait de sanctuaire pour les habitants de Bor. C'est désormais le tombeau d'une quarantaine de personnes massacrées il y a un an. Cette femme est la seule survivante. Aveugle, elle reste traumatisée par les cris des mourants. Ils m'ont trouvée ici et ils m'ont traînée dans le camp où ils tuaient les gens. Il y avait beaucoup de gens et ils ont commencé à les tuer. J'ai entendu les balles. Je pense que Dieu m'a sauvée. Une année s'est écoulée au Soudan du Sud depuis les premiers affrontements entre plusieurs factions militaires dans la capitale, Djouba, le 15 décembre 2013. Point de départ d'une guerre civile sanglante qui s'est ensuite étendue dans tout le pays. Le président Salva Kiir et son rival, l'ancien chef de l'État Riek Machar, ont conclu plusieurs cessez-le-feu. Mais aucun n'a duré plus de quelques jours. Et de nombreux observateurs doutent désormais d'une résolution rapide du conflit. Nous devons craindre le pire. Nous devons craindre de voir les abus continuer. Et nous allons continuer de voir une division très dangereuse et vraiment effrayante entre les deux plus grands groupes ethniques du Soudan du Sud. La rivalité politique a rapidement dégénéré en un conflit ethnique, marqué par des massacres entre populations. D'un côté les Dinka, fidèles au président Kiir, et de l'autre les Nuer, soutien de l'ex-président Machar. Entre 50 et 100 000 personnes ont péri dans le conflit, et près de la moitié des 12 millions d'habitants du pays survivent désormais grâce à l'aide humanitaire. Simonton fait partie des 2 millions de réfugiés qui ont fui les combats. Il s'inquiète pour l'avenir des jeunes dans ce pays désormais fortement touché par le chômage et inondé d'armes à feu. Nous sommes revenus en arrière de 21 ans. Nous sommes revenus au même point. C'est un cycle. Nous pensions, nous rêvions de paix, mais maintenant nous sommes revenus à la guerre. Après une année d'un conflit terrible, les rêves de paix du plus jeune État du monde semblent bien loin.